À la suite de Belphégor, la télévision devient le loisir préféré des Français. On commence à produire des séries destinées à un jeune public. Ce genre a aujourd'hui disparu. Mais dans les années 60 et 70, il a connu un âge d'or. Et le premier de ses héros pour enfants était un poney. Écoute, Polly, la chanson que j'ai faite, un jour pour toi. On dirait, Polly, qu'elle prend un air de fête aussitôt que tu es là. Les aventures de Polly, c'est 8 saisons où l'on voyage beaucoup. Pas de doublure pour le poney Shetland qui va connaître Venise, l'Espagne, le Portugal ou encore la Tunisie. Plus loin, vers le soleil couchant, un jour tu trouveras la rose qui t'attend. Toujours... Diffusé à une époque où il y a très peu de dessins animés, Polly va devenir le héros des enfants. C'est la ruée à l'intérieur de la villa pour assister aux exploits du poney vedette. Et le feuilleton de Cécile Aubry commence. Cécile Aubry est la scénariste de Polly. C'est elle qui écrit et réalise la toute première série diffusée en 1961. Polly, Polly, polisson, saute par monts et vallons. Le personnage principal de cette première saison est joué par Mehdi. C'est le fils de Cécile Aubry et il n'a que 5 ans au moment du tournage. On habitait un petit village et chaque année, il y avait effectivement un cirque qui venait. Elle était fascinée par ce cirque et c'est comme ça que son idée est venue. Pourquoi il est puni? Parce que c'est un bon à rien. Je vais lui apprendre son métier. Et à coup de trique. C'est comme ça qu'est née cette histoire, ce rapport fraternel entre ce petit poney et cet enfant qui le sauve de du drame. Tu vois, j'ai pu passer, mon petit cheval. Tu t'appelles Polly? Polly? Polisson? En fait, j'étais coaché par maman. C'est-à-dire qu'en fait, je répétais bêtement, pas trop bêtement, j'espère, mais en tout cas, voilà, effectivement, je pouvais pas apprendre un texte. Demain, j'aurais sûrement une idée. Je répétais le jeu de maman. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit, quand on regarde attentivement les scènes, on devine le jeu de ma mère, en fait. Sauve-toi vite! Va-t'en, Polly! Sauve-toi vite! Va-t'en, Polly! Polly, Polly, polisson, tourne, tourne, tourne... Les 13 premiers épisodes des aventures de Polly vont connaître un énorme succès. J'ai écrit mon premier feuilleton pour enfants qui était Polly. Il y a eu depuis 7 ou 8 séries de Polly. Et puis, entre-temps, j'ai écrit Belle et Sébastien. C'est le dimanche 26 septembre 1965 qu'est diffusé le premier épisode de Belle et Sébastien. Une série imaginée pour les enfants, mais qui va séduire toute la famille. Avec Mehdi dans le rôle de Sébastien et le chien Flanker. Un chien de grande taille, exceptionnellement fort, et qui répond au nom de Belle, rôde dans la montagne. La bête est dangereuse. Qui l'apercevra est autorisé à l'abattre. Des dizaines de millions de téléspectateurs vont être bouleversés d'émotion devant cette amitié entre un jeune orphelin et une chienne berger des Pyrénées. Ces deux-là se cherchaient depuis longtemps. Tu sais, dans ma maison, il y a du feu et plein de choses à manger. Pour la première fois de son histoire, la télévision est au centre de toutes les passions. Et c'est vrai que c'était un vrai tournant, quoi. C'était un vrai tournant parce que tout d'un coup, la télé basculait dans le récit. Ah, bonjour, madame Chelton. Tu vas là, docteur? Si, mais il est en consultation. Qu'est-ce que tu voulais? Angelina, elle a mal à la tête. Elle voudrait de l'aspirine. Encore? Mais le docteur lui en a porté un tube il y a 2 jours. Elle en fait une consommation. Bah oui, mais elle ne mange pas, elle les met dans l'armoire. Oh. Ah ben, je vais te chercher ça. Dis donc, tu pourrais pas mettre ton chien dehors? Oh bon non! Cécile Aubry est la première femme à réaliser des feuilletons en France. Il fallait s'imposer, c'était un petit bout de femme. C'était pas courant, les réalisatrices, à l'époque. Donc, il fallait vraiment qu'elle s'impose. Et elle le faisait avec du doigté, parfois, puis avec un peu de virulence aussi, quand ça fonctionnait pas vraiment comme elle voulait. Voulez-vous, c'est encombrant, ces grands chiens-là. Alors, on les vend. On les donne. On s'en débarrasse comme on peut. Après la diffusion de Belle et Sébastien, inconnus et célébrités se prennent de passion pour le berger des Pyrénées.
Lui, c'est Yves. C'est un berger des Pyrénées. J'ai été le chercher dans sa montagne natale. Ce qui était dramatique, parce que dans les appartements un peu étroits, c'était pas possible. C'est des chiens qui sont faits pour vivre dans la nature. Il faut pas se tromper, hein. Ils ont un côté pâteau comme ça, mais c'est des chiens de berger, hein. C'est des chiens qui gardent les troupeaux. Donc c'est pas forcément des chiens très doux, quoi. Dans les maternités, un grand nombre de Sébastien poussent leur premier cri. En une année, il passe de 80 à plus de 9000 dans tout le pays. Avec Belle et Sébastien, Mehdi est devenu l'une des plus grandes vedettes du petit écran. Il a 12 ans et est aussi connu qu'une star de cinéma. Ce jour-là, à Amiens, il y a une foule compacte devant la maison de la presse. Mehdi et sa mère sont venus pour une séance de dédicaces. Ouais, il y a une nana qui me coupait les cheveux. Dans la foule, quand je passais, plaque. Je suis un peu perplexe parce qu'il y a une foule à côté de nous extraordinaire. Oui, extraordinaire. Maintenant, je vais me tourner vers Mehdi. On peut peut-être te poser une question indiscrète. Est-ce que tu aimes ton métier de comédien? Oui, j'aime bien ça, mais qu'est-ce que modérément. Tu veux faire plus... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Biologiste. Allez, le premier livre. Mais je pense qu'elle culpabilise un petit peu. Je pense que, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que ça prenait des proportions. Et surtout que moi, j'adhérais pas dans le truc, quoi. Et le monsieur qui l'a tourné. Après Belle et Sébastien, il y aura les 13 épisodes de Sébastien parmi les hommes. Et à nouveau 13 épisodes de Sébastien et la Marie Morgane. Ces deux séries vont encore amplifier l'incroyable popularité de Mehdi. C'était une époque où les comédiens de cinéma ne voulaient pas faire de télévision. Donc la télévision était obligée de créer ses propres vedettes, entre guillemets. La foule n'attend ni une reine, ni une célébrité de la République. Elle a été seulement informée que l'équipe avait invité les héros des feuilletons de la télévision. Régulièrement, la télévision s'offre le luxe de réunir tous les héros des feuilletons qui occupent l'esprit de tous les Français. César a retrouvé Sébastien, c'est-à-dire Mehdi. Mehdi est évidemment de la fête, forcément accompagné de Belle, qui est en réalité un mâle prénommé Flanker. Dans cette réunion de famille, il n'est pas le seul enfant star. Delphine Desieux a 12 ans. Elle aussi a bouleversé le pays avec une série en 8 épisodes, L'âge heureux. Une série adaptée du roman autobiographique de l'actrice Odette Joyeux. C'est elle qui a choisi Delphine Desieux pour interpréter son histoire. J'étais au conservatoire, j'étais en train de me préparer à rentrer à l'opéra. Et puis, suite à des castings, des rencontres et des essais, on arrive à ce que le choix se détermine sur moi pour ce rôle. Tu as déjà dansé un grand rôle? Tu aimerais danser avec Mlle Lorenz? Oh oui. Et avec moi? Oh oui, bien sûr, maître. Charmant. Nadal n'est pas la première de la classe. Et techniquement... Mais je n'ai pas besoin d'une virtuose. Mais d'un tempérament, d'un caractère. Et Odette et moi, on jouait beaucoup de scènes ensemble. Le rôle, Galatée, c'est moi, maman. Le professeur n'était pas content. Elle voulait que ce soit Julie Alberti parce qu'elle est la première. Mais Monsieur Barloff, rien à faire. Oh, quel bonheur. L'âge heureux est une plongée quasi documentaire dans l'univers de la danse classique. Une histoire de jalousie qui provoque un drame sur les toits de l'Opéra de Paris. La porte est fermée. Pousse-toi. Ah! Bernadette! Bernadette! J'ai mal, je peux plus bouger. Et là, pour la première fois, on voyait le monde de la danse. C'est de la pédagogie. Madame, l'école de danse, c'est pire que le régiment. Mais elle n'est pas obligatoire. On n'est pas à l'opéra pour s'amuser. On y joue sans doute, mais ce n'est pas la même chose. Dans les années qui suivent la diffusion de la série, partout en France, les cours de danse se multiplient. Cet art, qui paraissait réservé à une élite, se démocratise. J'en ai pris conscience beaucoup plus tard, parce que moi-même j'ai enseigné la danse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus même danseurs, d'avoir reçu ce feuilleton. Et tu veux devenir danseuse ?
Et ça ne te fait pas peur? Non. Pas du tout. Il ne se passe pas de mois ou de semaines sans que quelqu'un me parle d'une scène de la Jureu qui l'a frappé. C'est magnifique. Mehdi a grandi devant le regard de millions de téléspectateurs. En 1973, il a 15 ans et commence à quitter le monde de l'enfance. C'est le temps des secrets et des premiers amours. Cette période de grand changement, il va encore la vivre par le biais du petit écran. Le jeune Fabre est une série à nouveau écrite et réalisée par sa mère, Cécile Aubry. Il y a des choses très générales, comme par exemple le premier amour de deux gosses. C'est évidemment ce qui se produit en général à cet âge-là. Et ça, ça m'a beaucoup amusée d'en parler et de le décrire, si vous voulez. Pour tourner le jeune Fabre, il fallait provoquer une rencontre entre deux adolescents de 15 ans. Tout commence par une petite annonce pour un casting. Et Véronique Jeannot quitte Annecy pour Paris. Quand je suis rentrée dans le bureau, elle a fait signe à son assistant de fermer la porte. Et elle a dit, mais voilà, j'ai trouvé ma vedette. Elle a eu un coup de cœur formidable. Il n'y en a même pas un qui cherche un type de 16 ans sachant rien faire. 15 ans et 359 jours. T'as compté les jours? Mm-hmm. Et toi, t'as quel âge? 15 ans et 327 jours. T'es le plus vieux. 32 jours de plus. Elle adorait Véronique et je pense qu'elle voyait en elle un peu son double. Elle était très proche de caractère, excuse-moi. J'ai pas dit mauvais. C'est bien, on a dit que... J'ai pas dit mauvais caractère. Non, non, mais c'est vrai, là, ton côté énergique, etc., elle adorait ça chez toi. Oh, il m'a fichu, je s'en aille. Je vais me poiter, je me nourris. Et Pookie était comme... Enfin, Pookie, c'est son surnom. Cécile était comme ça. Alors moi, au tout début, j'ai un regard professionnel, on va dire, parce que d'abord, je masque pas mal mes sentiments, en général, et puis je voulais rester vraiment... et puis évidemment, j'ai craqué, quoi. On ne peut pas ne pas craquer quand on croise Véronique Jeannot. Et toutes les filles de mon âge rêvaient de rencontrer Mehdi. Moi, j'ai reçu des de filles jalouses, mais qui m'auraient arraché les yeux. Tous les mecs me détestaient. En plus, j'étais amoureuse de lui. Donc voilà, ce qui d'ailleurs, ce qui énervait beaucoup Pookie, justement, parce qu'elle faisait beaucoup de soucis, parce qu'un jour, on était arrivé avec... Moi, je m'étais gravé un M sur l'épaule et c'était gravé un V. Moins douloureux, il y a moins de barres. Le jeune Fabre, c'est le portrait des adolescents du début des années 70. On les découvre en pleine rébellion, avec une envie de liberté chevillée au corps.